voir à la ferme la plus proche et je compte sur ta discrétion. Ici, du coup. C'est son tatouage, là. Ici, ils ont un véhicule. C'est ici. Bah, ouais, ouais, il y en a. On va la rendre plus loin, non? Ah, la ferme la plus proche, bah, on est déjà dans une ferme. Bah, pas celle-là aussi. Wouah! C'est la frette ici! D'accord, lui. Oh, le catch! Ah oui! Qu'est-ce que. Camouflage! Putain, ouais, j'y passe, moi j'en ai rien à foutre! Oh, je suis épuisé! C'est bon! Les zombies, je suis votre pote. Si t'as pas d'arme, trouve-en une. Moi j'en ai plein. Non, on a que ça les armes. J'ai XP calibre si tu veux. Pareil. Eh ben, il était pas si important. Il y a un zombie qui te suit, mais du coup je suis à côté de lui. Ah ouais. Et on court en même temps. Ah mais c'est arrêté. Pas de couilles, aucun sens des affaires. Ah j'ai perdu mon camouflage. On pouvait pas mieux commencer. Du coup il est en train de me poursuivre derrière. Fais pas ils valent rien. Bon, en principe ouais. Ah ouais. Et là-bas. Oh. Te voilà. Oh, il te tire. Ah ouais, oh ouais, d'accord. Ah ouais, je suis mort, j'ai même pas fait gaffe à la vie. Toi, il faut... Oh, Numa, il est gentil. Bah ouais. Bah, je fais un coup de grappin, quoi, j'ai pas eu le temps oh, vraiment putain. De. Oh, les deux en même temps. Décapité. Moi je m'en fous, je check mon plein gun. Oh merde. Il y a opté une tête. Oh merci. En plus je crois qu'il a dit que je pouvais être discret en plus. Je compte sur ta discrétion. Ouais. Rien de plus, rien de moins. On est détruit en vrai ça va. Faut les fouiller pour les mines ou pas? Je sais pas. De toute façon on est plein de mines donc ouais, mais alors, je crois qu'en passant dessus ça passe. Ah d'accord. Je crois que ça. Oh mais y'a deux véhicules. Ouais. Voici votre écran d'amélioration de buggy. Vous pouvez y faire trois choses. C'est-à-dire réparer, remplacer des pièces, consulter vos améliorations et assigner les améliorations actives. Personnaliser votre buggy visuellement. Ah carrément, ça te pourra améliorer d'ailleurs. Quoi moi? Ah c'est bon tu peux rouler. Quoi? Je sais pas où faut passer. Vas-y fonce. Calme, j'ai la caisse. Ah, j'ai la caisse. Dan. Ouais, Camille. Il est mort, on va le garder pour nous, la caisse. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Bah, c'est le but du. Bah, dans le jeu, t'as une caisse donc c'est ça. Non. Putain, les barrages. Bah. Ouais, c'est bien maniable. Oh, tant mieux. Oh, oh putain, j'ai pris un coup dans la gueule. Et là, on est obligé de couper ou pas? Non, je pense pas. Ah, ça passe. Et du coup, ils vont ouvrir la porte ou... De oh. Côté. Ici. Hop. Bon, on retombe dans la roche. Attention. Oh. Ah, fallait pas me foncer dedans. Je suis pour ça que je suis pas sorti. Il
Il s'est fait violer le mec. Oula. Bah ouais, je crois. Ah bah. Ah bah, yeah. Ah bah salut. Il est parti. Je crois qu'ils ont fini par lui demander de partir. Demander de partir? Comment ça, en le menaçant? Et puis c'est qui, il? Ils ont enfin fait ce que mon père aurait dû faire il y a longtemps. Et tout à coup, c'est beaucoup plus tranquille dans le coin, tu ne trouves pas? T'as pas répondu à ma question. Bien sûr que non. Tu es là pour la même raison que lui. Et que les bandits qui ne veulent pas partir. Et on devrait te faire confiance. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour te convaincre? C'est pas moi qu'il faut convaincre. Un petit nioli, là. Moi, je m'en fous. Montre à tous les autres que tu es venu pour donner et pas seulement pour prendre. Ah, au fait... On dirait qu'elle est shootée avec ses yeux. Ouais, trop consommé, là. Kyle Crane, Esgi. Il me faudrait quelques infos pour commencer. De quoi vous avez besoin ici? Je dois pouvoir t'aider. Mais tu devras me rendre l'appareil un de ces jours. Entendu. T'inquiète pas, un gros bangle. Les eaux souterraines ont été polluées. Oh, tournevis. Imagine ce qu'il y a de si l'eau coulait à nouveau. Je suppose qu'il y a un moyen de faire ça. En effet, mais c'est chez les bandits. Plusieurs gars se sont déjà portés volontaires et on ne les a jamais revus. Alors, je te déconseille d'y aller. Mais si ça t'intéresse, tu n'as qu'à suivre le pipeline. La pipeline, en français, salope. Ouais, on va y aller. Après, il y a encore une quête là, what the fuck. Bah, c'est elle. Il y a un truc secondaire ou... C'est pas une récompense que nous donne. Je sais pas. Merci du conseil, Esgi. Ah, d'accord. Mais quand tu dis que tu lui en demandais de partir, c'est la même chose. Pas les gens qui habitent par ici, je suppose. C'est la suite. Ces gens-là ne font jamais rien. Ils n'ont pas mis Kahan dehors il y a plusieurs mois de ça. Alors pourquoi ils l'auraient fait maintenant? Tu réponds toujours pas à ma question. Je suis toujours pas sûr que tu mérites une réponse. Et virer quelqu'un de la communauté juste parce qu'il est impoli, c'est pas un peu cruel? À la bouche. Mais il n'y a qu'un tout petit mur entre nous et une meute de bandits, de zombies et je ne sais quel dégénéré. Une seule grande gueule pourrait tout détruire. Et toi, ça te convient? S'il trouve pas d'abri, c'est un homme mort. Allez, quoi? Tu viens de la ville. Tu connais les gars comme Kahan, pas vrai? Ils trouvent toujours comment survivre. Si ça pouvait servir ses intérêts, il n'hésiterait pas à négocier avec un cadavre. Oh, jusqu'à la station de pompage. On va pomper. On va monter à deux dans le buggy ou pas? Peut-être. Ah non, c'est une place. C'est dommage. Si, regarde, je monte à l'arrière. Ouais? Je suis derrière. Moi, ouais, je suis derrière. Je suis derrière toi. Ah, je suis là. Si tu préfères monter, prendre un buggy, y'a pas de problème. Non, mais je crois que c'est le mien et puis je peux le personnaliser aussi. C'est pour faire des pommes entre deux, tu vois, pour pas toujours conduire. Ouais, des fois t'auras la flemme, j'imagine. Bah ouais, normal. Hein. Si on fait 10 km, bah ouais. Euro Truck Simulator. Putain, let's go, je lance. Oh. Même pas, ça passe. Ouais. Oula, j'ai eu un mini freeze là. Mais pas ça pour niquer. Je pense pas dans un mur là. J'en sais rien du tout, je sais pas là, tu. Ouah, t'as foncé dans un arbre. Oh putain, pour moi non. Ah, y'a un gros rollback du coup. Ouais. Soit. On l'a sauté. C'est bon, hein. T'arrives pas à sortir? Ah voilà. Wow. Passe par le côté, mais quel côté, connard? Moi je prends le grappage, on a rien à foutre. Ah là-bas. Ah, c'est vrai. Bien par ici, oh merde, j'ai failli tomber dans la queue. Les nouveaux clients sont les bienvenus. On arrive dans son dos, on les prend. Let's go. Ah, je croyais juste à couper, mais non. On a vraiment des trucs ici? De l'eau. Limpide, garantie sans diarrhée. C'est comme si un ange te passait. Avec le soleil, on voit pas grand chose. 3 litres contre 5 kilos de bouffe. On prend aussi l'heure. 5 kilos de bouffe pour de l'eau? Sérieux? Vous facturez pas l'air non plus. Du marchandage, sans blague. Regarde par ici, pauvre cave. Lui, c'est Roscoe. Il s'occupe des marchandeurs. Alors, tu veux toujours négocier? Ouais, je veux toujours. Cela dit, je pourrais bien t'échanger de l'eau contre ta caisse. Allez vous faire foutre. On a deux caisses. Ouais, pourquoi pas, allez-y, aller. Ah non, je veux pas aller dans le machin. Il voulait me pousser, le mec. Ouais.
Oh, il les a fait tomber. Oh, derrière, putain, j'ai pas vu. Je les ai fait tomber les deux. Moi, ils sont morts. Hein. Bon. Va dans la cuve là, va dans la cuve. Il y a encore plein de mecs en fait. J'ai crevé à force. C'est pas le fou. C'est bon, il est tombé. Ouais, wow, il se passe quoi? J'avais envie. Ah, mais il est pas mal lui quoi. Bah ils ont déjà pas mal. Ah il était résistant celui-là. Tous les zombies sont excités. Bah du coup ouais. Dans le cul. Ouais j'ai vu, je récupère des pales rien qu'en passant sur le mur. Ça va alors. Ouais. Ah mec il a la même arme du coup donc. Hein. Voilà. Enfin. Il y en a qui gueule là. Là y'a une caisse là. Vas-y. Oh. Ils sont mitraillés, je prends. Ouais non plus j'ai plus de place. Petit fusil là, donne envie. Il y a un pistolet qui me servait plus. Là y'a de plus. Ouais, le pistolet, j'ai lâché le pistolet, il a disparu. Ouais, moi non, il y a pas là, je vois le mien. Il y a pas le mien. Ouais. Ah ouais, le mien il a disparu, il a passé à travers le mur. Après ça. Regardez derrière le mur. Non, y'a rien. Ah, mon flingue il fait plus de dégâts que ta mitrailleuse à la con. Bah j'ai trouvé un genre de cliquet pour réparer les trucs de véhicule. Comment on fait pour déjà pour réparer nos armes et tout? Je sais pas, on va s'appuyer sur Y. Triangle. Ouais. On va bien utiliser Excalibur un jour. Elle fait quand même des dégâts Excalibur. Attends, je vais voir. Le trompe de machin. Ah bah, voilà. Ah non, on peut pas la réparer en fait. Bah, c'est pour ça qu'elle était toujours cassée. Ouais. Attends. Ah ouais, c'est en bas de temps, ouais, c'est bon. Oui, l'origine des cris. Wow. Ils arrivent. Oh, c'est quoi ça? Voilà. C'était mon duel. Ah. Il m'a mis cher quand même. Tant mieux que j'ai tué, moi ça peut être plus vite. Bah, il y a une machette violet en plus. Ah ouais? Casse les couilles. Ouais, elle m'a fait 258, c'est bon. Bon, ça, je fais jamais gaffe à ça. Vous avez fait moins de dégâts, ça vaut pas le coup. Moi, je veux un truc stylé. Ah. C'est Jazir qui m'envoie. Enfin, Esgi, tu fais partie de ces trois qui se sont perdus? Il reste que moi. Je suis Ali. Ali Baba. Ils les ont jetés à ça. Mohamed Ali. Monstre. Écoute Ali, cet endroit doit fonctionner d'une manière ou d'une autre. Ou bien les bandits n'auraient pas la moindre goutte d'eau. Les bandits ont de l'eau ici. Il n'y en a pas à la ferme. On pourrait peut-être rediriger l'eau. Oh, t'es monté où? Ah d'accord. Ah je peux débloquer la porte ici. Bon. Bah je sais pas, ça sert à rien. Bah ça sert à quoi? On a fait ce qu'il fallait. Je sais pas si on va obliger à quoi faut quoi. D'ici quelques minutes. Là t'as tous les zombies qui vont arriver. Bah ouais bah là. Ça marche pas. Pourquoi ça marche? Y'a un zombie qui bloque. Zombie qui... Ouais. Ouais qui bloque, il a bouché. Oh mon dieu. Ah y'a un bon coup là. Si les tuyaux explosent, on va l'avoir bien profond. Ouais. Je vais ouvrir la vanne. Bah pour lui, plus pour lui que pour nous. Je sais juste qu'elle est prise. Suis le pipeline et surtout baigne-toi. Ouais, dans l'eau. Vas-y. Suis le pipeline. Pipeline. Dehors. Oh. Vas-y. Je vais continuer à essayer de ce côté. Go go go. Dépêche-toi. Ah mais non, c'est pas ça que je veux. Ah! Dépêche, je suis dans la voiture. Dépêche-moi. J'ai fait.
Allez. Il m'a fait le capot là, il voulait que j'améliore le Suzuki et tout. T'as du coup je suis debout d'ailleurs. Ah bah tant mieux. Je sais pas comment t'as fait mais... Bah ils ont pété le truc je crois. Ah. Dernier pic là au-dessus du Peggy. Wow. Bon ça nous a stoppé net. Ouais. Je crois que le Peggy est fatigué. Wow. Ah, ça me scoop. Je vais me soigner en même temps les gars. Oh non. Oh. Oh putain. On va plus pouvoir rentrer. T'inquiète. Ça se répare. Ouais. Ali, je suis à une sorte de station de pompage. Le pipeline se termine ici. Alors trouve la vanne principale, bon sang. Cette putain d'alarme s'arrête jamais. Elle est où un peu déjà? Elle est là. Wow. Wow, pourquoi c'est profond d'un coup là? Non mais la lampe torche. Faire du haut. Ah je sais plus c'est quelle aussi moi. Oh je vais essayer hein, écoute. Oh. Y'a rien là. C'est bon, je vois tout le monde. Ah c'est bon. J'ai remonté parce que là... Je vais mourir et noyer. Mais non, t'inquiète. Dire à mes enfants que j'aurais sauvé l'eau. Ali, j'ai trouvé. J'aurais ramené l'eau chez eux. Ici. Alors, on fait quoi? On attend? Oui. Là, c'est plus qu'une question de temps. Tout est en ordre? Je crois qu'on vient de sauver tout un tas de gens. Mais il a sauvé tout le monde. On revient à la ferme. Peut-être le châssis. Je dirais à Jazir que t'es cool. Pour un étranger. Ah d'accord, pour un joystick de haut pour monter. Ouais d'accord. Ah ok. Ouais. Comme ça tu peux tirer. Ouais. Il y a ma deuxième voiture qui est là-bas du coup. Oh, c'est la fête, si ils font un rite. Un miracle. C'est un miracle. J'aurais bien donné, ouais, mais donné un coup de pied à un gosse. C'est même pas ce que tu viens de faire. La violence. Nos puits sont pollués depuis un mois. De plus en plus de gens tombent malades. J'avais peut-être tort à ton sujet, étranger. Et donc, au sujet de ce médicament. Tu pourrais répondre à ma question? Suis-moi, je te prie. En fait, c'est faux. Oh, du coca. Non, c'est quoi? On a balancé des rumeurs partout pour qu'on vienne nous aider. Non, c'est une boisson, je sais pas. Plan protégé, je sais pas quoi. Plébotomiseur. Ouais. Jazir, à Aran, on n'a plus d'antizine. Je cherche tout ce qui pourrait sauver mes amis. Si t'as quelque chose... Nous avons quelque chose, oui. Notre foi et nos prières pour la mer. C'est parfait. Allah. Sans vouloir te manquer de respect, t'es en train de me dire que des prières vous empêchent de vous transformer? Le manque de foi, c'est ça ton problème. Comme tous les étrangers. Nous croyons en la mer et elle nous protège. Allah Akbar. Nous n'avons pas besoin de votre anti-bidule. D'accord, d'accord. Bon. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de parler à cette mer. Elle est sacrée. D'ailleurs. Elle ne parle qu'avec ceux qu'on nomme les sans-visages. Ah, on m'a faut découper le visage. J'ai dit peut-être. J'ai bien dit peut-être qu'il pourrait te remarquer. Si tu te mettais au service de la communauté. Au point où j'en suis, je prends tout. Alors, il s'agit de quel genre de service? Qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Tu es sérieux? D'accord. Moi, je m'occupe de cette ferme. Bilal. Mon ami Bilal, qui protège la station essence près de la ville. Fais le tour des lieux. Tu trouveras bien de quoi t'occuper. D'accord. Votre fille.